Comme d'habitude, début octobre, les paniers ont été déposés chez les commerçants du village, à la mairie. On pouvait les trouver également à la bibliothèque. Et ils ont été retirés la veille de l'élection. Les livres étaient souvent absents du panier. Quand il y avait un livre qui revenait, il était bien souvent repris dans la matinée. Les livres tardent à revenir, là, sur la fin. C'est vrai qu'on a noté que, apparemment, on venait plus trop. Les gens, oui, certains disaient, vous avez lu celui-ci, parce qu'apparemment, il leur avait bien plu. Et les personnes qui viennent chercher les livres sont contentes de les trouver. Et puis, il y a quand même pas mal de gens qui sont à la recherche de livres. Voilà. Et de savoir dans quel commerce étaient les livres. Voilà, voilà. Mais la petite chose, c'est que les personnes n'ont pas ramené les livres. Alors l'année prochaine, pensez à ramener vos livres. Les gens, ils viennent régulièrement et voilà, c'est une bonne initiative. Ils sont contents, quoi. Eh bien, tu as déposé les livres en mairie à la disposition du public. Les gens les ont pris, ils ne les ont jamais ramenés. Donc je n'ai pas pu les lire, je ne les ai pas vus. Le panier restait vide pendant les 2 mois de sa présence en mairie. Cette année, nous avons donc une sélection assez exceptionnelle. Nous allons discuter autour de Peter May, McEwan, les anglo-saxons, un Québécois, Larry Tremblay, deux Français, Chopla et Mingarelli, et un troisième Français, Marseillais, peut-être pas d'origine, André Fortin. Alors on va commencer par celui de André Fortin, qui a écrit aux éditions Gigale Un été grec. Un juge d'instruction assiste à l'autopsie d'un adolescent retrouvé mort dans les calanques. Mort naturelle, c'est le plus vraisemblable. Mais le juge a un doute et il creuse. On a affaire à l'air de rien, à un rappel de ce qui s'est passé au moment où les colonels grecs sont venus s'installer de façon ignoble dans leur pays, quoi. Les deux étudiants s'aiment et tous deux s'engagent à fond dans la résistance. Ils essaient de lutter contre l'horreur du régime qui finira par les écraser. Plusieurs générations de luttes et de bourreaux, ça fait écho à l'actualité. Un Front National décomplexé aujourd'hui, l'histoire est-elle un éternel recommencement? L'incendie, écrit par Antoine Choplin et Hubert Mingarelli, est un roman épistolaire. C'est un échange entre deux anciens soldats de la guerre de Yougoslavie. Vont renouer des liens qui vont se tisser de façon assez dramatique. Le troisième, donc l'auteur québécois, Larry Tremblay, qui a écrit L'Orangerie. Au début, là, dans les descriptions, il y a vraiment un côté solaire de ce paysage. C'est magnifique. Alors lui, il nous raconte le destin, on peut dire tragique, de deux enfants qui vivent dans un pays pas vraiment situé géographiquement, mais qu'on peut supposer du Moyen-Orient, enfin qui subit une guerre. Et ces enfants vont être le jouet de, comment dire, la vindicte guerrière de leurs parents. Ces deux frères jumeaux, une guerre sans fin, tragique, conte cruel et sadique. Le quatrième, alors il est écrit par Ian McEwan, il s'appelle L'intérêt d'un enfant. Là, on retrouve un personnage principal qui est aussi, comme dans celui d'André Fortin, un juge. Mais c'est une femme, c'est tout. C'est quelques mois de la vie d'une femme, en fait, de Fiona May, qui est juge aux affaires familiales à Londres, et qui doit rendre des jugements quand même compliqués, puisqu'elle est chargée de défendre l'intérêt de l'enfant. Donc, où commence et où s'arrête l'intérêt de l'enfant? C'est un peu le thème du juge et d'un acte. C'est un peu ça, en fait. Hein. Après, il y a son histoire personnelle qui se mêle avec l'histoire de la défense de ce jeune homme, témoin de Jéhovah, et dont les parents vont interdire la transfusion pour son cancer. Et donc, c'est elle qui doit devoir statuer si on va l'autoriser à être transfusée ou pas. Là, avec sa rencontre avec le jeune Adam, on sent que,
qu'elle est perturbée, qu'il va se passer quelque chose qui va avoir des conséquences sur sa vie, sur son travail. Et enfin, le dernier, Peter May, qu'on connaît également pour ses romans policiers, mais là, ce n'est pas vraiment un roman policier, c'est plutôt une histoire de retour sur le passé, de quête, enfin, ce sont trois vieilles personnes, trois messieurs, qui partent d'Écosse, de Glasgow, qui veulent repartir sur leur histoire passée en allant rendre visite à un de leurs anciens amis qui est à Londres, qui est en fin de vie. Et ils vont embarquer un jeune homme dans leur escapade étonnante vers le retour sur la musique, le rock. Et il traîne le petit fils de 21 ans qui est scotché sur son ordi toute la journée, qui est obèse. Et je trouve qu'on voit bien les deux époques. Hein. Voilà, donc il va falloir que nous débattions, nous élisions parmi ces cinq romans formidables, celui qui sera encore le plus formidable pour 2017.